Le Kangouka a fait quoi? Voilà votre père même du Cameroun qui a 41 ans au pouvoir. Lui vous dépasse à retirer. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qu'on a donné l'autorisation de venir prêcher dans votre pays. Maintenant, vous voulez vous en prendre à lui. Bonsoir. Tu n'arrives pas à t'en prendre à ton propre père. C'est à ton oncle que tu t'en veux. Ton père a raté son devoir. En prends-toi à ton père. Tu en veux à ton oncle pourquoi? Combien de fois un inconnu? L'inconnu ne te doit rien. Voilà. Si le bandit entre dans ta maison sans casser la porte, ça veut dire qu'il a les clés. Kokanguka, Kanguka. Ils ont détourné nos enfants. Ils détournent nos parents. Et toi, monsieur, sur la toile, chaque jour, tu fais le désordre. Quand on dit unissons-nous, on est incapable. On est déconcentré. L'inconnu va venir rassembler nos parents trompés, partis devant nos yeux. C'est comme ça. Quand on est incapable de résoudre nos problèmes, les autres viendront les faire, viendront les résoudre et à leur manière. Merci à toi, André. Merci à toi, André Mok. Que Kangouka. Kangouka a fait quoi? Il vient se chercher, mon gars. Ah. Quand vous avez les esprits fragiles, vous voulez quoi? On vous dit que chacun doit avoir résolu ses problèmes. Personne. Attends, c'est un peu comme tu ramasses l'argent à ton ami, non? Vous refusez de partager entre vous, vous refusez de vous entendre. Vous êtes obligé d'appeler quelqu'un d'autre pour qu'il vienne mettre la paix. Pourquoi il va mettre la paix pour rien? Il doit avoir sa part. On a un vieux qui est au pouvoir 41 ans, il ne dépasse pas enlever. Alors, son subalterne, son collaborateur, le gouverneur, ou bien c'est le gouverneur, ou bien c'est le sous-préfet, il donne l'autorisation à un individu que va au Cameroun là-bas, va prêcher. Viens dans mon pays. Tous ces gars-là, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, ils ont toujours les pasteurs. Ne soyez pas surpris que même le gouverneur, même les ministres là, sont les adeptes de ces pasteurs-là. Je sais de quoi je parle. Depuis que je suis président de Manga Diaspora, je fréquente tous ces gens. Je vois comment ça se passe. Chaque sous-préfet que tu vois là, préfet, gouverneur, ministre, ils ont les pasteurs, ils ont les marabouts. Ils sont partout. C'est des gars qui n'ont pas de foi. Tellement ils sont connectés avec le diable, si bien que ils cherchent la solution partout. Ils sont disloqués. Voilà, la politique, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Voilà. Donc, eux-mêmes là, ils sont victimes. Que Kangouka. Kangouka a fait quoi? Ne nous levons pas. Chacun va lire l'heure. Laissez-moi manger, dis donc. Vous m'emmerdez. Que Banga Diaspora, tu ne dis rien. Il va venir dire quoi?
Donc, toi-même, tu partages. Kanguka, Kanguka. Tu m'aimes trop. On m'a arrêté, on m'a tapé. C'est pas toi qui m'as envoyé le voice que Manga Diaspora, petit fait, t'as dit qu'il faut laisser, là, il faut laisser le combat là. On t'a dit que Kanguka est différent des bourreaux. Kanguka lui-même fait partie des bourreaux. Ouais, puisque les bourreaux sont ses adeptes. Voilà. Il contrôle les esprits faibles, les esprits fragiles. Voilà, on a tellement les problèmes que il est obligé de quitter loin, loin, loin pour venir prier pour nos parents. Depuis quand un inconnu a sauvé quelqu'un dans la prière, si tu n'arrives pas à prier toi-même là. N'est pas au Rwanda, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent au Rwanda. Il était où pour arrêter la guerre civile au Rwanda auparavant? Toujours et toujours, quelqu'un qui vient rassembler les gens profite quelque chose. Que ce soit mystique, que ce soit autrement, il profite toujours. On ne regroupe pas les gens pour rien. Voilà. Toujours et toujours, quand on regroupe les gens, par la suite, on profite toujours. Et s'il vient regrouper nos parents, c'est parce que les autorités acceptent qu'il lui a donné l'autorisation de faire ce qu'il a fait là. C'est les autorités. Avant qu'il n'arrive, qui a fait la campagne? On l'a aidé, c'est les d'autres Camerounais. Alors, c'est un peuple en perdition. Le désespoir s'installe. On appelle ça le désespoir. Tu vas voir, c'est les mamans qui sont pauvres. Tu vas voir, une maman l'attendait depuis 2 mois, depuis 1 mois, pour aller faire la dîme, pour aller faire les offrandes. C'est comme ça. Le désespoir, on se résilie à soi-même. On perd espoir. On perd espoir. La résiliation, c'est ça. Le désespoir. On fait confiance à un individu lui-même qui a les problèmes. Ouais, c'est différent. Même Mala, à son temps, a regroupé les gens comme ça là. C'est parce qu'à un certain moment, c'est comme si Mala avait refusé de jouer le jeu du système. On a dit que bon, on te gâte. C'est une autre Mala là-bas. Je ne pensais pas qu'il était Kanguka. Hein. Je me souviens un moment, j'avais 3 fans qui m'envoyaient chaque temps les audios. Le Kanguka, Radio Kanguka, Radio Kanguka. Ou bien c'est le pasteur Abimana. Je dis, hé, à moi qui sait. Un jour, je les ai tous bloqués. Mais voici les gens qui sont venus comme les admirateurs. Mais chaque jour, ils m'envoient les choses, les bad boys. Que c'est qui Kanguka? Kanguka, il dit que ça va qui c'est Kanguka? Kanguka, c'est même qui? Les gens qui veulent m'amener nous. C'est que ce matin, je les ai tous bloqués. Et là, ils entendent ce moment. Comment ça? Kanguka, n'est exactement ma garde. On vous dit que votre gouverneur du littoral était là lui-même. Ça vous dit, hein? On vous dit que votre gouverneur du littoral était là. Vous croyez que c'est l'amusement? Alors, si vous refusez de vous aimer, de vous entendre, de travailler ensemble, l'ennemi va venir faire semblant d'apporter la paix. C'est comme ça. Les colons nous ont divisés pour nous régner. C'est clair. C'est ça le problème. Vous voulez quoi? Ah. Comme tel laisse petit pays. Comme tel laisse tout le monde. Comme tel laisse ceux qui consomment les produits comme tel. Pour aller chercher un fallier pour par ailleurs. Vous voulez quoi?
C'est parce que vous ne vous entendez pas. Et c'est aussi bien comme ça, c'est bien. Tant les artistes refusent de s'entendre, d'organiser une société de droits d'auteur pour dorénavant avoir une même bouche, pour dorénavant un avenir meilleur, on profite de ça pour vous narguer, pour vous prier pas. Et ce qui arrive quand on est un peuple en perdition. Ouvre le gars. Le Cameroun, c'est l'un des peuples en perdition de 2023. Voilà les pays qu'on se moquait d'hier. Le Libéria. Voilà l'autre jour. George Weah, il est venu jouer au Cameroun à l'époque. Paul Biya était là président. Le voilà qui a perdu les élections. Hein? Il a soulevé la main en l'air. Que moi, j'ai perdu les élections. Pour revenir un autre jour, dans l'avion, on se recule pour mieux sauter. Voilà George Weah. Bientôt, il est en train de vieillir. Il est devenu président, ce qu'il a laissé. Peut-être qu'il va encore revenir, devenir président. Paul Biya est où là? Paul Biya là. Tangou, comme jeune à quoi? C'est un faux débat. Il ne gêne à rien. On a un problème au Cameroun. La tête souffre. La tête souffre. Vous êtes surpris. Rien ne peut marcher au Cameroun. Chacun fait comme il veut. La tête souffre. Celui à qui on a confié notre destin, c'est un irresponsable. C'est un irresponsable. Maintenant, il vous présente son enfant. C'est d'autres jeunes qui courent. Que non, son fils peut faire différemment. Non, son fils, il est frère, il est beau, il est ci, cela. Mais attendez, toi, tu n'es pas beau. Tu n'es pas beau. Donc, voilà quelqu'un. On ne sait pas d'où il sort. On dit qu'il était forestier à l'époque. Il faisait les affaires avec les grumiers. Il n'a même pas construit une route. Même une route, il n'a pas goudronné pour aller dans une forêt. On dit que Frambia avait une société de grumiers pour sortir le bois du champ forestier. Il avait l'argent. Il a l'argent du Cameroun. Montrez-nous ce que Frambia a fait. Alors, mais on voit encore certains jeunes qui disent que non, si Paul Biya part, même son fils prend le pouvoir, il va faire quoi? Il va faire quoi? Toi, tu es un irresponsable toi-même là. Ton père est mort depuis, oui. Il n'a pas construit. Ça ne t'a pas servi de leçon. Est-ce que toi, tu as construit? Tu n'as rien fait. Voilà, tu n'as rien fait. Alors, quelqu'un qu'on parle que CV, son CV c'est quoi? Fils du président. Le CV de Flambia, c'est fils du président. Vous êtes surpris que Kanguka, on va toujours amener les gens. Ils vont vous escroquer comme ça là. C'est comme ça. C'est le business. C'est vous qui dites que non, il n'a rien pris à nos parents là. Faites attention. On appelle ça. On appelle ce qu'il a fait là. C'est-à-dire qu'on tient nos parents spirituellement. Voilà nos parents. On appelle ça de la manipulation de masse. Ce qu'il a fait là, la manipulation de masse. Viens, fais ce que tu vas faire là. Ou bien c'est ton congrès, ou bien c'est ta soirée de prière, ou bien c'est quoi. Mais ne parle pas mal du système. C'est un homme de Dieu, comme on dit là. Si c'est vraiment un homme de Dieu, est-ce qu'il peut dénoncer le système qui a pourvu le peuple? Est-ce qu'il peut, si vraiment il est un homme de Dieu? Il ne peut pas. Parce que Dieu ne deal pas avec les bourreaux du peuple. Il ne peut pas. Le problème du Cameroun, c'est quoi? Le problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. La malgouvernance. Est-ce qu'il peut venir la dénoncer, cette malgouvernance? Il ne peut pas. Au contraire, il est accompagné par l'un des constructeurs de cette malgouvernance-là, qui est le gouverneur. Alors, qui est le gouverneur? Alors, un gouverneur lui-même qui est dans l'illégalité. Puisque ce gouverneur-là, il devait déjà partir en retraite. Il fait quoi là-bas? Il bloque la place d'un préfet qui devait avoir la promotion. Tous ces gouverneurs-là, ils sont déjà en retraite. Les l'Afrique. Où ça?
tous ces gouverneurs-là sont déjà en retraite. Ils ont l'air de la retraite, dépassés même. Ils font quoi là? Alors, tu es dans l'illégalité et tu penses que Dieu va accepter ta parole? Alors, on vous embrouille. C'est nous les initiés, c'est nous les seuls libres du Cameroun, c'est les gens comme nous là. Les Sama, les Maurice Kamto et tous les autres leaders. Voilà. Le reste là, personne n'est libre psychologiquement. Les libres, c'est les Bibou Nissa, les Alain Fogué, voilà les libres du Cameroun. Le reste là, vous ne servez à rien. L'animal réfléchit mieux que vous. Il y a eu une vidéo aujourd'hui où voilà les animaux qui sont en train de traverser la rivière, une rivière, un cours d'eau. Ils arrivent, ils étaient peut-être 10. C'est comme ça qu'à un certain niveau, il y a les crocodiles qui sont sortis, dévorer une lienne. C'est quoi, c'était les liennes? Dévorer une lienne. Maintenant, c'est comme ça qu'ils ont traversé. Mais arrivé, ils se tournent. Ils ont fait au moins 5 minutes pour attendre leur frère. Avant de se rendre compte que le frère ne venait plus. J'ai eu de la compassion, j'ai eu pitié à la place de ces animaux-là. Et puis j'ai eu une douleur pour celui-là qui n'a pas pu traverser. Mais à nos jours d'aujourd'hui, on voit des gens qui quittent du Maroc, de l'Algérie, du Cameroun. Ils arrivent à traverser le désert. Ils traversent toutes les difficultés du monde. Jusqu'à la Méditerranée, ils arrivent. Les mêmes soutiennent le système. Les mêmes viennent te justifier comment Paul Biya est gentil. C'est-à-dire qu'aucun remords de leurs amis, d'autres ont perdu la mère de leurs enfants, avec leurs enfants, mais vient soutenir celui qui a créé la misère, qui a fait ce qu'il quitte le Cameroun. Tu arrives à traverser l'eau, la Méditerranée. Tu n'as même pas de remords. Le seul combat que tu dois combattre dans ta vie, dans chaque chose que tu fais, c'est de rendre hommage à tes compagnons de route, à tes compagnons de lutte. Sur le quoi, quand il voit un gars à partir du Gabon, j'ai le respect pour lui. Sur le quoi, quand un numéro étranger m'appelle, j'ai du respect pour le numéro là. Sauf peut-être ton sujet qui peut nous mettre en désaccord. Mais quand un homme a déjà traversé le Cameroun, moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Parce que je sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Abandonner sa famille, laisser sa famille. Parfois tu n'as même pas de problème. Parfois tu n'as même pas de problème. Mon ami, Francine Ganou dénonce ce que toi tu ne peux pas dénoncer. J'ai dit, celui qui parle mal de Francine Ganou, je le bloque. Francine Ganou dénonce à chaque minute. Francine Ganou dit toujours que c'était lui qui était le pilote. C'était lui qui était le capitaine du Zodiac. Et c'est parce que tu as voyagé, tu as traversé par là. Donc ça veut dire que c'est lui. On avait donné le sort de ses frères entre ses mains. Il a conduit. Déjà le fait que Francine Ganou atteint le niveau là, il parle de son passé, de sa vie. Ça veut dire qu'il affiche le Cameroun. Le monde entier va se poser la question. Attendez, comment un gars comme ça là sort de son pays avec tout le potentiel? Il devient champion du monde. Mais il n'a pas pris l'avion pour sortir de son pays. Donc ça veut dire qu'au Cameroun, il y a les talentueux, les qualités comme Francine Ganou et même plus que Francine Ganou. Donc ça veut dire que le chemin qu'il a pris là, Francine Ganou, c'est un yé-yé. C'est un yé-yé. Donc avant lui, les gens sont morts. Après lui, les gens continuent à mourir. Donc lui là, au sommet de sa gloire, il se rappelle toujours de sa route. Parce qu'en réalité, il y a les codes de la vie. Il pouvait arrêter de parler ça. Parce que là, il affiche le Cameroun. Mais il continue à parler. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un bon fond. J'ai des amis aujourd'hui qui refusent qu'ils sont beaux ailleurs. J'ai des amis. J'ai une en France là-bas qui est célèbre, que vous connaissez beaucoup. C'est une beaux ailleurs. Mais elle passe son temps à insulter les beaux ailleurs. Alors que je la connais. On a fait la Libye ensemble. En 2000. Son gars était un Nigérian. Donc, il y a beaucoup là parmi vous qui sont les beaux ailleurs. Je prends un exemple. Si Bertil Okamit n'avait pas fait son livre, La Traversée, qui devait connaître un jour que Bertil Okamit est beaux ailleurs? Parce que les gens ont mis dans la tête que non,
Les beaux-arrières sont les gens qui n'ont pas fréquenté. Non. Désolé. En Libye, on avait les mangas. On avait les tanks, quoi. Les gars qui étaient en master. À l'époque, c'était la maîtrise. Les gars qui avaient la maîtrise. Mais oui. Les gars qui avaient la maîtrise. J'ai fait la Libye avec les Camerounais qui avaient la maîtrise, la licence. Pourquoi pas? Parce que les gens ont tout mis dans la tête que non, le beaux-arrières n'est pas celui qui a fréquenté. Non. C'est tout confondu. C'est un autre monde. Il dit même que si Bertie le Camite, quand Bertie le Camite a commencé à combattre là, le combattant Bertie le Camite, s'il n'avait pas écrit et parlé qu'il a Boza, qu'il pouvait connaître, beaucoup ne connaissaient pas qu'il était Boza ailleurs. Puisqu'il s'exprime bien, il a fréquenté. Mais oui, alors, il doit arrêter ça. Au niveau de Francis Ngannou, mon frère, il n'est plus dans l'émotion. Un gars à son niveau là, il ne parle pas trop. Il ne parle pas trop. Même Longuet dénonce d'ailleurs dans ses chansons. En réalité, il n'a plus besoin de parler. Un artiste engagé n'a plus besoin de parler. C'est parce qu'il veut encore trop donner. En réalité, Longuet ne devait plus parler. Parce qu'il parle tout dans ses chansons. Il parle tout dans ses chansons. Il a déjà tout chanté. Longuet, elle a tout chanté. Donc, il n'a même plus besoin de venir prendre son téléphone. C'est parce qu'il pense qu'il a le skill et il se soucie des conditions de vie du Cameroun. Mais oui, mon ami Francis Ngannou dénonce dans toutes les chaînes du monde, dans toutes les chaînes du monde où Francis Ngannou part, il affiche le Cameroun, peut-être sans le connaître. Parce qu'il pouvait dire que dorénavant, je ne parle plus de mon parcours. Mais oui, il pouvait faire comme beaucoup de vous. Il pouvait dire que je cache mon parcours. On voit beaucoup là de vous aujourd'hui. Vous faites allégeance à Paul Biya. Alors que vous êtes né pendant qu'il était là. Vous avez fui la misère que lui-même il a créée. Vous êtes parti. Vous revenez. D'autres, vous portez l'habit du RDPC sur vous. Vous êtes malade. Ça veut dire que vous n'avez aucun sentiment, aucun remords pour vos camarades de lutte. Il y a des combats qu'on ne renonce jamais, qu'on ne trahit jamais. Pour l'humiliation qu'on a vécue. Moi, on m'a tapé. On m'a torturé. On a enlevé ma femme. On a traumatisé mes enfants. Jamais de la vie, je ne négocierai jamais. Je vais mourir. C'est clair. Je ne négocie pas. Il n'y a pas de compromis pour ça. Ça, c'est pour l'honneur. C'est moi au nom de tes enfants. On vient, on entre chez toi, on traumatise tes petits-enfants. On enlève ta femme. Tu trouves ta femme avec la sueur sur elle. Et tu renonces à cela. Et que tu es un vendu. Donc, vous tous là, vous serez maudits, vous tous là. Vous tous là, vous les petits là, vous êtes nombreux là. Je vous donne dans 10 ans, vous allez voir. Le chemin que vous avez pris là, ça va vous hanter. D'abord, la vie d'un beaux-arrières n'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, parfois, je me revois au désert. Parfois, je me revois au désert, comme ça là. Parce que j'ai eu un traumatisme. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 24, ça fait 20, 23 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai les remords. Quand j'ai les remords. Quand j'ai traversé le désert, traversé la Méditerranée, attendez, mais j'ai failli faire du mal à un ami dans la chambre. À l'île de Malte. On dormait ensemble. Je me suis levé dans la chambre comme ça, dans la nuit. J'ai cassé la porte. On m'a amené à l'hôpital. On dit qu'il a été traumatisé. Oui. Vous voyez les gens comme ça là. Vous n'avez aucun honneur pour vos amis qui se quittent, moi. Alors. Elle dit que Dadigal, donc tu as oublié ton passé. Tu as oublié que ça fait 10 ans que tu as traversé. Tu pars d'ailleurs au Cameroun. Tu oublies qu'il y a encore tes amis au Maroc là-bas, en Algérie. Hein? Tu oublies qu'il y a encore tes amis là-bas. Hein? Tu oublies qu'il y a encore les amis en Algérie qui n'ont pas pu traverser. Tu oublies qu'il y a des gens qui meurent encore là-bas chaque jour. Le chemin que Dieu t'a épargné de la mort.
Mon ami, on n'est pas fort dans la vie. C'est Dieu qui fait grâce. On n'est pas fort. Le désert ne connaît pas la force. La Méditerranée ne connaît pas la force. C'est la grâce de Dieu. Quand j'ai traversé, j'ai eu un traumatisme. Là où nous avons habité, mon ami, on était deux par chambre. Là où on a demandé l'asile. J'ai sursauté dans la nuit. C'est fini que récemment, hein. Ça me prenait chaque temps. Le traumatisme. C'est comme un soldat de guerre, non? C'est comme quelqu'un qui a fait la guerre. Un aventurier. Oh, même pas seulement un bosailleur. Toute personne qui quitte son pays pour une autre destination, il ne sait pas ce qui va arriver là-bas. Automatiquement, souffre de traumatisme. C'est ta vie qui change. C'est le manque de tes parents, le manque de tes maris. Tu t'adaptes avec. Tu ne peux pas faire autrement. Mais, tu payes le martyr de ça. Tu payes le prix automatiquement. Combien de couples se sont détruits? Combien de couples? Combien de nous avons retrouvé la même femme qu'on avait laissée? Combien? Il y a des regrets, mais qu'on ne parle pas. On regarde seulement. Combien de parents sont morts? On n'a pas pu enterrer. Combien de nous avons enterré nos parents? Combien? Souvent, ta mère meurt, tu es en Algérie. Parfois, ton père meurt, tu es en Algérie. Parfois, ton grand-père meurt, ton grand-père qui t'a élevé. Tu viens de traverser, tu ne peux même pas rentrer. Donc, demain, là, tu rentres, soutenir le bourreau, qui est la cause de la misère du Cameroun. Petit frère, wallahi, vous allez voir quelque chose. Je vous cible là, non? Vous êtes nombreux là. Il y a un actuellement, je vous ai dit ça toujours. Il y a un là, son corps est en train de pourrir. Il était dans les histoires des patriotes là. Regardez comment les combattants, leur vie change. Ceux qui sont honnêtes, regardez bien la vie des combattants. Comment leur vie, ça brille. Les bandes de petits maudits comme ça là. Oh, c'est qui Gaga, c'est qui Kam Kam, c'est qui. On s'en fout de lui. Il me sert à quoi? C'est pas histoire. Il est nom de le stade Japuma. C'est grâce à qui? C'est grâce à son soutien du régime. Tu crois qu'il est venu au Cameroun par hasard? Tout a été arrangé à la base. Il voit les petits tintins. Qu'il y a Dieu dedans. Quel Dieu dedans? Tu es plus populaire que le diable. Il y a Dieu dedans. Si on commence à parler de la parole de Dieu, là, vous serez là. Allez sur les pages des gens qui parlent de Dieu vrai, voilà. Vous êtes là. Ils sont devant là, deux personnes, cinq personnes. Qui vous a dit que Dieu est populaire? Des bandes de tintins comme ça, là. Quand vous parlez de l'avenir de votre pays, vous n'êtes pas là. Voilà. Quand vous parlez de l'avenir de votre pays, vous n'êtes pas là. Il y a Dieu. Il y a Dieu dedans. Vous êtes beaucoup là sur le Facebook. Normalement, vous ne devez pas parler quand nous on parle. Vous êtes les enfants. Mais vous, oui, vous êtes les enfants. Vous ne devez pas parler quand nous on parle. Nous sommes vos grands frères sur Facebook. Et il y a même les grands que nous on devait parler. On faisait s'asseoir. Ils nous écoutent par rapport à notre vécu. Mais comme Dieu a donné la force que chacun vient parler, on compare tout le monde à tout le monde. Il y a les pasteurs là. Il y a aussi les escrocs pasteurs et entrepreneurs. Chaque jour, ils sont en cellule. Et tu vois les moutons toujours viennent les dédouaner. Non, grand, c'est Dieu. C'est Dieu. Non, laisse grand fond se moque de toi. C'est des bandits. Les petits entrepreneurs du Cameroun, là. Les petits bandits. Hein, les souscripteurs, les subscripteurs. Qui peut connaître qu'il y a son argent quelque part et qui reçoit les intérêts de ça. Il part au commissariat. Les bandes de moutons comme ça, là. On parle des gens que nous, on connaît. Mais comme ils ont 1 million d'abonnés, comme ils parlent bien français, le grand frère Banga Diaspora, c'est là. Je refuse de vous escroquer seulement là. Parce que eux là, ils ne sont pas les escrocs. Ils ne sont pas les escrocs. Il n'y a pas un bosailleur qui est facile, mon frère. Il y a un homme qui s'est en sorti au désert. Je m'en sors au désert. Je m'en sors dans la mer. Je m'en sors dans le pays des autres. Donc je rentre au Cameroun. Un petit fifion, sous-fifre, viens m'embobiner. C'est les petits élèves devant moi. Tous ces petits gars-là qui sont sur Facebook-là. Si moi, Banga Diaspora, c'est les petits élèves.
Je ne vois même pas le carreau de quelqu'un. C'est les petits élèves. Je peux les enseigner le vol. Je peux les enseigner la mafia. Je les enseigne. Mais quand on veut parler ici, là, tu vas voir un petit minable qui pourrait me te saluer avec deux mains. Non, grand, je suis fan de lui. Tu es bête, tu es incomplexé. Tu es incomplexé, petit. Alors. On dit que quand on voit juste, il est au bout du monde. Tu viens lui parler fort. J'ai voyagé jusqu'à je suis au bout du monde. Dans quelques jours, après ma santé, je m'en vais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tu as voyagé, tu as traversé l'eau, là où nous on a traversé depuis. On est quitté là-bas, on a dit que bon, maintenant là, c'est trop pour du Cameroun. On a dit que maintenant, on part loin, 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 loin. Après, on est parti à Dubaï, on est descendu. On est parti partout là-bas, le Koweït, tout ça. Après, on est descendu vers la Corée. On a dit que non, ce n'est pas loin. On a foncé jusqu'à partir loin, loin, au bout du monde. Les îles Fidji. On se balade, on se perd même. Moi, un petit tintin, quand tu lui parles, il dit que non, il est grand ici. Tu es arrivé là-bas, quand petit salopard. Tu es dans un quartier du Cameroun, tu parles fort. Parle à moi. Petit chien que tu sois. Que non, grand frère. Il parle bien, il est sérieux. Personne de n'est sérieux. Ton père, ton oncle était entrepreneur. Tu l'as un jour vu. On l'a convoqué au commissariat. Ça se gérait dans les tontines. C'est les gens, leurs agents. Ça vient des gens comme toi, là. Voilà. C'est parce que tu es embobiné, tu deviens aveugle, tu es fan de lui. Voilà. Tu es fan de lui. Et c'est parce que il n'a même pas l'occasion. Je connais un. Il a enceinté 15 femmes de ses subscripteurs. Quand il sent que celui-ci-là, il peut pénétrer, il pénètre aussi bien qu'il enceinte ta femme. Et il te tient, petit salopard. Vous ne connaissez rien là. J'ai l'un d'eux. Les histoires de start-up là. J'ai un d'eux qui a disparu. C'est l'un de mes petits de manga. Il était aussi entré dans le groupe là. Il a enceinté 4 femmes de ses sous-titeurs. 4. La plaidoirie, c'est ta mère, petit. Ouais, les gens, tous, c'est sûr qu'on l'a escroqué. Ou bien il est dans la maison là. Vous voulez défendre, si vous êtes par toi les faux profils, vous venez quand vous dites la vérité, ça vous énerve. Vous êtes des escrocs, vous êtes des infirmes voleurs. C'est ça le problème. Mais sachez une seule chose, quand tu es là célèbre, tu gères bien ta célébrité, ta visibilité, tu n'as plus faim. C'est parce qu'ils veulent trop, ils demandent trop. Il rêve debout. Voilà. La situation en Afrique ne permet pas qu'un individu prenne l'argent des gens, de ses souscripteurs, avec la pression et s'en sort pour les rembourser. C'est pas facile. Les réalités de l'Afrique ne permettent pas à un entrepreneur de prendre l'argent des gens et de tourner pour les rembourser après. C'est impossible. Il dit même que c'est impossible. Et c'est ce que vous voulez faire. C'est impossible. Tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu prends l'argent des gens pour tourner, pour rembourser après, c'est impossible. Tu vas faire quel business? La drogue? Tu vas faire le business de la drogue? La cocaïne? Oh, dégage, mon ami, dégage. Il y a les réalités. Je connais le Cameroun plus que ces gens-là. Bon, je mets quiconque à défi. J'aime bien qui a 23 ans. J'aime bien qui a 23 ans. L'auberge de la délivrance en Banga. C'est mon premier bien. J'ai conçu ça en 2000. Ça a 23 ans aujourd'hui. Je mets quiconque à défi. Qui d'eux a un bien depuis de 15 ans? Mais mettons défi. J'ai une entreprise. Quand j'avais 20 ans, quand je suis rentré au Cameroun ma première fois, j'ai conçu un auberge en Banga, c'est là. 22 chambres. Je connais l'entrepreneuriat mieux que eux. Je suis leur grand frère. Combien d'eux
sont entrepreneurs depuis l'âge, depuis 23 ans. Combien d'eux? Mais le moyen d'entreprendre là, c'est l'escroquerie. C'est les gens qui croient d'ailleurs qu'un jour ils vont mourir, un jour ils vont disparaître. C'est clair, ils vont disparaître à l'âge des gens. C'est clair, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme les agences de voyage là. Au Canada, Canada, Canada. C'est des bandits. C'est des bandits. Ils vont disparaître un jour. Attends, il y avait un gars ici là, non? Un Sénégalais. Le Sénégalais là, il faisait le visa. Un jour, il a récupéré l'argent de presque 200 Africains. L'argent, passeport, il a disparu, il est parti avec. La suite, c'est qu'ils vont disparaître un jour et tout. Et vous là qui faites des subscriptions là, regardez bien les contrats que vous signez. Parce qu'il y a les termes dans le contrat là, qui les protègent. Voilà, qui les protègent. Laissez le faux courage là. Quand on les libère pour deux jours, ils viennent faire. Parce qu'ils ont là, ils ont les parents, non? Ils ont les parents, un jour ils vont fuir. On parle des gens, et les gens viennent parler sur la table. Même Banga Diaspora, tu parles. Mon ami, j'ai l'auberge que j'ai conçu. Ça a 23 ans d'âge, c'est en Banga jusqu'à aujourd'hui. C'est en Banga, en face de la mission catholique. T'as pas ma partie. Je suis un vieux homme d'affaires. Les gens que vous parlez là, c'est les enfants. Beaucoup l'ont même fréquenté encore. Petit chien. Voilà. Il se lave bien, il vient vous parler. Il se lave bien, il vient vous parler. Mais ceux qui ont les preuves, quand ils parlent, ah non, ils ne parlent pas comme ça là. Non, non, oui, personne ne veut pas. Personne veut vous sauver. On veut vous sauver. Voilà notre combat. Nous sommes vrais. Voilà pourquoi on dit. Depuis que vous êtes sur Facebook là, pourquoi moi, on ne va pas arrêter de vous mettre en cellule? Pourquoi on n'a pas aussi besoin d'argent? Pourquoi on ne fait pas les affaires? Non. Je peux retarder pour te livrer marchandises. Bien sûr. Mais pas que je dois à tout le monde. Quels sont ces hommes d'affaires qui doivent à tout le monde? Pourquoi les enfants qui n'ont pas 30 ans? Ils n'ont pas 40 ans. Ils commencent la vie en étant redevables. C'est quoi ça? C'est quelle vie ça? Comment ta vie a les dettes? Comment? Comme la dernière fois, j'ai dit que mon enfant peut épouser une femme qui a déjà les enfants. Tu peux être un jeune gars, 20, 25 ans. Tu peux rencontrer une femme qui a déjà deux enfants. Comment tu commences ta vie avec les problèmes, avec les charges des autres? Comment tes charges toi-même, tu vas t'habituer avec tes problèmes? Comment tu vas aller commencer une vie avec les problèmes? C'est ce qui vous trompe. Vous voyez des gens, subitement, tu vois un inconnu sort là, avec la cravate, avec les chaussures, tout et tout. Parce que même ça, ils n'ont pas. Parce que si on commence à sortir les versions de chaussures, les versions de costumes, eux, ils n'ont pas. Et ils n'ont pas. Mais seulement. Un vivant où les gens là, les gars là vivent. Moi je vis à Bonamou, ça dit. J'ai un terrain de 600 mètres carrés. Je l'ai acheté à l'époque, dans les 50 millions. Ça fait 13 ans. Eux là, montre-moi où ils vivent. J'ai acheté le terrain à 50 millions. Non, à 30 millions. J'ai acheté à 30 millions à l'époque, oui. 50 000 mètres carrés. J'ai construit la maison et ça. Eux là, montre-moi où beaucoup d'eux vivent là. Montre-moi là où ils vivent. Les gens connaissent ma maison. Ils vivent où? Ah, c'est vous, dis donc. Vous venez pleurer, ça. Bande de tonnes, bien de tintin comme ça. Quand ils vous sauver, parlez, que tu votes. Lui, eux, c'est qui? Eux, là, c'est qui? Alors, donc moi, je vais aller escroquer les gens 100 millions. Je vais escroquer les gens 100 millions. Je vais escroquer les gens 100 millions, moi. Comment? Mes frères. Tu organises tes frères, tu les mets à terre, tu les prends 100 millions. Tu prends 50, tu prends 10 millions, 20 millions là-bas, 5 millions, les économies des pauvres Camerounais. Tu viens taper la main sur la pointe. Que quand les gens te portent critique chaque jour, même ceux qui dorment sans manger. Mais te voilà en cellule. La réalité, c'est que tu es plus pauvre que les gens qui te critiquent chaque jour là. Parce que ta place, tu es un prisonnier. Mais comme les salopards sont toujours là, non, non, vraiment, laissez comme ça là, ça va. La vie, c'est les hauts et les bas. La vie n'est pas les hauts et les bas. Quand tu dois aux gens, quand tu dois aux gens, tu dois aux gens. Et quelqu'un qui est endetté n'est pas riche, c'est un pauvre. Qui perd ses dettes s'enrichit. Tu es même un bandit. Parce que tu sais où tu les amènes. Eux-mêmes, eux seuls ne connaissent pas où ils vont. Oui.
C'est toi qui sais où tu les amènes. Eux, ils ne savent même pas où tu les amènes. C'est comme ça. On parle de trucs qui n'ont pas de sens. Dis-moi là où ils vivent alors. Montre-moi là où tous vivent. Voilà. Montre-moi là où tous ces gens-là vivent. Beaucoup là sont allés dormir dans les studios. L'autre a acheté la maison récemment. Il est obligé de cacher parce que c'est l'argent de ses créanciers. C'est quelle vie ça? Je connais là où l'autre a acheté la maison récemment. C'est pas sa maison. L'argent des gens. Au nom de quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Les petits maudits comme ça là, viens faucher les gens. Moi là, moi j'ai un combat que je vais mêler avec les influents voleurs là. L'argent de ma femme que vous avez pris là, il ne doit pas vous laisser tranquille. Voilà ma femme qui a gardé son argent pour construire sa maison. Elle a déjà 61 ans. Les gars l'ont pris. Les gars l'ont pris. Donc je ne vous laisse pas. Je rentre au Cameroun bientôt là. Je commence une guerre contre vous. Vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Voilà. Je vais devenir Bouba sur vous. Voilà les gens que même le terrain ne peut pas acheter à lundi. Quand on veut parler, non, grand, toi, tu veux. Même à lundi, là, ils sont nombreux, ils ne peuvent pas acheter au terrain. Hein. Et les petits tintins comme ça qui vont venir me parler. Mon ami, je ne suis pas riche. Mais eux, là, je dépasse beaucoup d'eux. Voilà. Ce n'est même pas les débrouillards, c'est les vendeurs de rêves. C'est les vendeurs d'illusions. Voilà. C'est-à-dire que ces gars-là, ce n'est même pas les entrepreneurs ni influenceurs. C'est les vendeurs de rêves. Mais quels sont ces entrepreneurs qui apparaissent directement dans la vie des gens, qui te parlent directement d'argent comme ça là? Mais attendez, comment? Tu ne connais pas d'avoir géré ta propre vie. Mais tu commandes aux gens de te donner l'argent pour que tu tournes. C'est quoi ça? C'est trop flagrant. Arrêtez de donner votre argent aux gens que vous ne connaissez pas là où ils habitent, mes chers frères et sœurs. Arrêtez de donner votre argent aux gens que vous ne connaissez pas leurs femmes. Arrêtez ça. Un bureau, pas abandonner un bureau, fuit. Mais tu dois connaître la vie d'un homme avant de lui donner ton argent. Comment tu donnes ton argent à quelqu'un 20 millions, 30 millions? Tu ne connais pas sa maison. Tu ne connais pas sa famille. Tu ne connais pas parce qu'il te cache. Tu ne peux pas avoir 50 souscripteurs, 100 souscripteurs, 200, 3000 souscripteurs. Personne ne connaît ta maison. C'est quel genre d'affaire ça? C'est parce que c'est qu'un jour il va fuir. Il vous cache des choses importantes. C'est parce qu'il sait qu'il va fuir. Alors. Entrepreneurs, les lascar comme ça, là. Les entrepreneurs, là. Les petits bandits. Celui qui veut voler, qui part dehors, on ne vole pas son frère. Celui qui veut voler, tu peux m'insulter tout. Je ne vole pas mon frère. Voilà ma richesse. Je ne vole pas mon frère. Si je n'ai pas, demande à mon frère. Celui qui vole son frère, c'est un lâche. Voilà. Celui qui dit qu'il est courageux, qui part voler dehors. Tu vas dire que tu es courageux. Tu voles tes frères. Tu es un lâche. Toi, tu peux voler tes frères. Hein? Après, tu disparais comme le lièvre lima. Donc, tu es un escroc. Hein? Voilà pourquoi les donations parlent d'eux. Voilà pourquoi les donations parlent d'eux. Tu parles d'eux autrement, mais d'autres gens savent que c'est un robin de bois. Parce qu'il ne volait pas ses frères. Ils ne volaient pas se faire. Mais à nos jours d'aujourd'hui, la Fémania, les gens volent leurs frères. Et ils sont là. Moi, tu fais ça à ma soeur. Tu fais ça à ma soeur. Moi, je te gère comme dans mon passé. On est dans la mafia ensemble.
petits bandits comme ça. C'est des voleurs, vous êtes des voleurs. Que les souscripteurs, co-souscripteurs, souscripteurs dans quoi? Vous abusez de la confiance des gens. Vous abusez de la naïveté des gens. Les gens veulent rentrer au Cameroun parce que vous voulez miroiter un style de vie. Tout le monde veut rentrer au Cameroun. Chacun le rêve camerounais. Chacun est content de voir son frère, comment son frère brille sur place sans jamais voyager. Vous profitez de ça pour les amadouer, pour les escroquer. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant, nous autres qui vivons en diaspora, quand nous on rentre, on est en babouche. Parce que je vais impressionner qui au Cameroun? Je vais impressionner qui? Mon rêve n'est pas d'impressionner quelqu'un. Oui, puisque je vais porter un habit que j'ai acheté cher dans la poussière. C'est l'environnement qui ne me plaît pas. L'environnement ne me plaît pas. Voilà pourquoi je ne m'habille pas au Cameroun. Mais comme vous êtes les escrocs, vous portez le costume sur le soleil. Vous êtes obligé de porter le costume sur le soleil parce que vous êtes des bandits. Vous vendez le rêve. Vous parlez bien français. La suite, c'est quoi? Comment tu peux bien parler et tu finis en cellule? Mon ami, jamais, pas moi. On sait que la prison, la cellule, c'est la place des hommes d'affaires. Mais pas parce que tout le monde entier me doit. Jamais de la vie. Pas moi, là. Pas moi. J'ai fait la cellule auparavant, oui. J'étais un délinquant à l'époque. Oui. J'accepte. Avant de voyager, j'étais un délinquant. J'étais un petit brigand. Voilà, j'étais violent. Ça se comprend. C'est mon passé. J'étais un jeune garçon qui rêvait. Mais depuis que je suis parti, je suis rentré avec mon argent. Je n'ai plus jamais fait ça. Donc depuis que j'ai 20 ans, je n'ai plus fait ça. La fois que j'ai fait la cellule au Cameroun, c'est quand on m'a arrêté avec longueur, longueur. C'est parce que j'ai dénoncé. C'est ça qu'on m'a tapé à la cellule. Voilà là où j'ai fait encore la cellule au Cameroun. Depuis l'âge que j'ai eu 20 ans. Vous voyez les entrepreneurs que chaque jour sont en cellule. Vous sortez parce que vous avez appauvri vos souscripteurs. Maintenant, vous utilisez votre argent pour être plus fort que eux. C'est tout. C'est tout, ça se comprend. Et c'est comme ça. On fait ce qu'on appelle le dilatoire. Tu donnes ton argent à quelqu'un, il n'a plus rien, tu l'as dépouillé. Même s'ils vont n'importe où, vous allez gagner. Même celui qui a fui là, il a fui parce que il a peur pour sa vie, c'est tout. Il peut rester au Cameroun, on va lui faire quoi? Alors, puisqu'il a l'argent plus que vous, vous êtes déjà pauvre, c'est tout. Alors, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Alors, Mas, Mike, Lemon tea, Panas. Yeah. That is, sur la personne, right? T'as des personnes. T'as pu, c'est un bilan de Atomo, là. Ouais, continue toujours à aller donner l'argent aux gens. Quand Bama Diaspora dit que ma soeur vient, je vais t'aimer. Viens être ma troisième femme avec ton argent là. Tu vas refuser. Hein? Tu vas refuser. Quand on dit que Bama Diaspora veut faire telle chose, viens être ma femme avec ton argent et t'aide. Tu refuses. Tu peux maintenant te faire escroquer par quelqu'un. On te regarde. Les influents voleurs comme ça là. Hein? Tu es là, tu as laissé le père de ton enfant au Cameroun. Tu es en Zachère là-bas. Tu vois un gars, il parle bien, il s'est bien habillé. Tu abandonnes le père de ton enfant. Au lieu de lui faire voyager, il vient à côté de toi. Non, j'ai moins peur. Il va fuir ici, là, il va m'abandonner. Même si tu abandonnes, tu as aidé quelqu'un. Aide le père de ton enfant. Au lieu de jeter ton argent chez les bandits comme ça là. Aide le père de ton enfant. Mais oui, c'est vrai. Oui. Ou bien tu manges ton argent. Il n'y a pas les banques là où tu es là. Hein? Il n'y a pas les banques là où tu es là. Aide le père de ton enfant. Voilà, vous-même là, vous payez le karma. Vous gardez l'argent. Il y a les problèmes dans la famille, vous ne résolvez pas. Vous fermez les yeux sur tous les problèmes. Mais vous partez donner votre argent aux inconnus. Vous voulez quoi? Oui, je suis un polygame. Moi, je suis un polygame. Sandy de Boston, c'est ma deuxième femme. Sandy de Boston, c'est ma deuxième femme. Et il y a Awa Yalo qui était ma troisième femme, mais pardon. Mais dans les mots de tête.
Elle est là, tu vois, mais les statuts, les profils des gens sont sur son WhatsApp. Elle dit, mais c'est encore quelle femme ça comme ça là? Quelle femme ça qui est toi en train de mettre les statuts des hommes sur son WhatsApp? Tu parles avec celle-ci là. Pardon. Ah oui. Mais c'est vrai. Parlons peu, parlons vrai. On dit que oui, Mbanga diaspora, oui, vraiment grand frère, tu n'as plus l'argent. Oui, je n'ai plus l'argent. Mais j'ai les choses que les gens n'ont pas. Ils ont, ils ont peut-être le cash, l'argent volé par les gens. La richesse n'est pas l'argent que tu as. Tu peux avoir l'argent, mais tu as les choses que quelqu'un d'autre n'a pas. Voilà. Il y a les terrains que on te dit qu'achète ça. Tu as 100 millions, tu ne peux pas acheter. Parce que ça va prendre tout ton argent. Je ne sais pas comment les gens pensent que l'argent, c'est quoi. Tu peux avoir 200 millions là. On te dit qu'acheter un terrain de 50 millions. Tu n'achètes pas. Tu n'as pas. Ça veut dire que tu n'as pas l'argent. C'est ça on dit l'argent. L'argent c'est aussi l'ancienneté. Tu achètes ce que quelqu'un avait déjà. Il a ça depuis 20 ans. Il a ça. Toi tu viens maintenant, tu peux acheter ça à son prix. Tu vas acheter ça peut-être. Ça va prendre tout ton argent. Ça va prendre tout ton argent. Alors? Petit bandit comme ça là, il m'énerve. Si les gens là, moi, tabasse un étranger, je m'en fous. Vous connaissez? Il y a l'affaire de 8 millions de dollars ici là. Il y a l'affaire de 8 millions de dollars qui s'est passée, les Canadiens là. Est-ce que vous savez que les gars là sont dehors? Les gars là sont dehors, les gars. Tabasser les étrangers, nous on s'en fout. Les Nigérians, les Ghana organisent les gens. Ils tabassent les étrangers dans leur pays. Avec dans les ministères, on ne les fait rien. On ne les fait rien. Vous croyez que si HP Poppy était au Nigeria, on pouvait l'estrader? Jamais. On a pris HP Poppy parce qu'il était dehors. Il était à Dubaï, là-bas, on l'a arrêté. On ne doit pas toucher la chose d'un frère. Voilà. On ne doit pas toucher la chose d'un frère. On ne doit pas abuser un frère. Si j'abuse ton mari, je te mets en difficulté. Parce qu'il ne pourra plus, te prendre en charge. Il ne pourra plus. Je risque de détruire ton foyer. Parce qu'il n'aura plus l'argent pour te prendre en charge. Hein? Alors, allez ailleurs. Vous croyez que nous, on ne peut pas escroquer les gens? Vous croyez qu'on ne peut pas escroquer les gens? Même seulement le fait de prendre l'argent des gens, durer avec, avant de les rendre service, ça fait problème. Alors, tu vois, dans les têtes, c'est que je vais prendre l'argent des gens ici, là, je vais créer mes business, je vais les rembourser un peu. Tu les détruis. Ce n'était pas programmé que tu les rembourses un peu. C'était dit que tu devais faire le business avec eux et les donner. Attendez, je vous ai dit que le milieu n'est pas approprié. Mais Irène, quand tu sors d'où? La mamie problème, c'est là. Le milieu n'est pas approprié au Cameroun que les 30% que vous donnez chaque temps là, les 40%, d'autres donnent les 100%. Tu fais déjà le business. Tu prends avec quelqu'un. Tu prends l'argent de quelqu'un, 5 millions, pour lui donner 5 millions par la suite. Comment? Comment? Tu fais ça comment? Et c'est comme ça qu'ils font pour arnaquer les parents là. Je connais un père que celui de Mbanga que je parle là. Le celui de Mbanga qui était dans les groupes. Le père là lui a donné, un père de Bonamou Sadi. J'ai pas envie d'appeler le nom. Celui-là, leur ami là, avait ouvert son activité à Bonamou Sadi là-bas. Parce qu'au moment venu, je suis en train de faire les listes. Le moment venu, même mon frère de Mbanga là, je vais le mettre dedans. Je vais mettre son nom dans l'affaire là. Même mon frère de Mbanga là, c'est des bandits. Le père de Bonamou Sadi là, c'est une chance que c'est un père qui est lourd. Il a vendu un terrain. Il a vendu un terrain. À Makepe. Pour venir donner son argent pour être souscripteur. Chez le frère de Mbanga là, qui est dans le groupe des bandits là. Aujourd'hui, il a fermé sa chose là. Il ferme. Et il a disparu, on ne le voit plus. Même dans leur groupe là, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Vous voyez? Ce n'est pas normal. Vous mettez la vie des gens en péril.
Non, je ne sainte pas, c'est un bandit. Voilà, glory. Comme c'est un gars de Mbanga, tu dis que je ne parle pas. Non, je ne parle pas comment. Ah, donc, et tu veux que le Cameroun chante. Ah, tu veux que le Cameroun chante, glory. Non, il ne peut pas. Donc, comme c'est un gars de Mbanga, on ne dit pas. Ah, ça, c'est le népotisme, dis-moi. C'est le népotisme. Attends, tu as traversé le désert, tu as traversé la Méditerranée. Si Dieu ne t'a pas béni, c'est que tu es mort. Glory. Il ne faut pas faire ça. Donc, tu ne peux pas dénoncer celui de Yaoundé, celui de Douala. Tu ne dénonces pas l'homme de Mbanga. C'est un gars de Mbanga. Voilà, le genre de gars qui est venu fréquenter en Mbanga, là, chez son grand-père. Mais ce n'est pas un gars de Mbanga en tant que tel. Même s'il était un gars de Mbanga, on doit le dénoncer. Ah, donc tu supportes un bon pied alors. Un bon pied. Ils sont les gars de Mbanga. Bon, ils ont fait quoi? Toi, tu participes pour la bonne marche de Mbanga. Tu contribues quand on veut faire le forage. Tu contribues quand on veut faire les choses. Mais ils sont les gars de Mbanga. Ils ont fait quoi? Voilà un bon pied qui a mangé 7 milliards. Et un forage en Mbanga à son nom. Il a conçu une école. Arrêtez-moi ça. Tu vois le népotisme. Voilà les gens qui veulent le Cameroun change. Lui-même, il est dehors. Glory là. Voilà. Le champion de la nuit tout terrain. C'était le patron de Dedo. Glory. Non, tu veux faire la corruption parce que ton frère. Non, on va le dénoncer. Voilà. On va le dénoncer. Et que il a pris l'argent du père là. Il a disparu. 50 millions. Quand on vous dit que les gens l'ont levé 500 millions, quoi, c'est la blague. C'est l'argent des gens. Ils savent se comporter. Hein. Ils paient les relations. Hein. Tu pars là-bas. Ils ont même souvent les restaurants. Tu pars, tu vois, le procureur général est assis. Il mange avec les bons vins. C'est comme ça qu'il boit le cerveau. Il arrange le retour. Voilà pourquoi au départ, on ne les arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'il reçoit les procureurs généraux de tous les parquets. Ce sont ses amis. Les enveloppes, ça passe. C'est quoi? C'est l'argent des gens, non? Il arrange le retour. C'est comme ça que ça se passe. Ils ne font pas la magie. Ils n'ont aucune relation. C'est tout. Chacun peut faire ça. Tu escroques tes frères. Tu prends l'argent, en retour, tu prépares déjà les relations. Il est normal que peut-être un petit, tu es procureur général, un gars un jour, que tu sais que c'est un homme d'affaires, qui t'a donné 1 million, qui t'a invité dans son restaurant, il t'a fait manger, il t'a fait boire un bon vin, il t'a donné une petite, comme la majorité de nos fonctionnaires, certains sont les bons villageois, hein, ils cherchent une belle fille là, ils donnent au procureur, que lui l'entretient. C'est normal qu'au départ, le procureur lui-même ne connaît pas là où il part. C'est normal. C'est quand lui-même va voir le dossier. Il va comprendre, j'avais mangé là le type si. Mais d'abord, je le sauve d'abord. Maintenant, c'est quand les problèmes commencent qu'il met l'ami procureur à terre. Qui dit que, gars, comme tu vois là sur le business, comment on va faire l'affaire ici? Mais oui. Et mais le carburant, c'est quoi? On dit 1 million. Et quand on le bat, 2 bâtons. 2 bâtons. Alors, soutien. Après, ça, on fait tout et tout. Il rencontre le général. Le général de division de la ville. Il sait que quand il a affaire avec le général, d'abord, tous les gendarmeries, c'est ça, dans sa poche. Il rencontre le délégué à la sûreté nationale. Il sait que tous les commissariats de la région, c'est dans sa poche. C'est comment ça se passe, non? Ouais, c'est quoi? Ils font que magie. C'est quand ça sort dehors qu'il se recule d'abord. Maintenant, on lui conditionne. Maintenant, tu vas maintenant payer. Voilà où maintenant l'argent meurt. Parce qu'au départ, il a l'argent encore. Maintenant, les gens sont là ouverts. Que bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut décharger. Dans le gars, maintenant, dire, oh, okay, gars, tu es mon ami, mais c'est le business. Donne-moi l'argent. Vous comprenez que, bang, il a donné 10 bas. Il a donné 10 bas. Donc, partout où il sent qu'il y a une relation, si c'est le secrétaire général à la présidence, ils sont là-bas. Partout où ils sentent que voilà le neveu de Paul Biya, voilà le cousin de Paul Biya, voilà un tel qui a la relation avec tel, ils sont là-bas. Vous connaissez comment ça se passe, non? Je voulais vous dire que les gars qui ont pris l'argent aux Canadiens, là, 8 millions de dollars, ils sont dehors, les gars. Les gars qui ont sonné pour les visas, là,
à l'ambassade de France, là, le consul de France, 401 visas. Ils sont là à Bonamou Saadi, non? Ils sont à Bonamou Saadi. Ils partent où? Ouais, ne touchez pas à vos frères. Oh, ne touchez pas à vos frères. Allez escroquer les inconnus. Oh, l'escroquerie, c'est l'escroquerie, on connaît. Oui, mais c'est mieux. N'allez, ne touchez pas à vos frères. Alors, ne touchez pas à vos frères. Ils ne nous font pas cadeau. Donc, quand eux aussi tombent, jetez-les. On sait que le faux ne peut jamais finir. Le vol ne peut jamais finir. Mais ne touchez pas à vos frères. Allez dehors. Ah non, 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 laisse ça, laisse, tu ne le connais pas. Laisse, que tu veux parler là. D'autres sont dehors, mais je connais deux qui sont à... Laisse, il faut laisser. Je vis là-bas, c'est mon secteur. Je les connais. Alors, c'est quand j'ai vu les photos que je dis, mais on était assis l'autre jour avec les gars, c'est quelque part, non? Ils m'ont même salué. Il faut laisser mon frère. Un même parti en Bengue, jusqu'il est rentré. Il part d'où? Alors. Il part d'où? Ah, vous connaissez que celui-là, vous connaissez que l'homme de... Vous connaissez que l'autre, non, ce n'est pas ça. Vous connaissez que l'autre. Non, vous connaissez que l'autre. La majorité sont dehors là-bas, bon, ça dit. Est-ce qu'ils ont fait ça seul? Est-ce qu'il a fait ça seul? Même l'affaire du Canada, c'est là, les gars du Canada, c'est là, qui ont escroqué les Canadiens, là, 8 millions de dollars, là. Attendez, il y a un qui est en prison, juste pour voiler les yeux. Mais la majorité sont dehors. Non, je comprends ce que tu es en train de dire, Adi Baba. J'ai pas envie d'appeler au nom des gens. Tu vois un peu, j'ai pas envie d'appeler au nom des gens. Je dis bien que la majorité sont libres. Tu peux être en prison, mais tu n'es pas en prison. Mais c'est clair. C'est comme l'affaire des Canadiens ici. L'un des propriétaires qui était dans le coup, à l'hôtel, il était en prison. Mais, comme il sortait, il faisait le bruit, on l'a encore remis dedans. Mais après ça, il est sorti. Il est dehors. Il est dehors. Donc, c'est la même chose comme le nom que tu es en train d'appeler là. Hein? Il part en prison juste pour faire plaisir aux relations diplomatiques. Mais après. Après. Alors. On connaît qu'il a subi un chantage. Mais est-ce qu'ils l'ont tué? Mais en réalité, si c'est dans un vrai pays, on va le condamner peut-être pour. On va le condamner pour quoi? Attendez. Tu n'as pas subi le chantage. Tu te donnes la mort. attendez. C'est lui qui l'a tué. C'est pas lui qui l'a tué. Si c'est même en France là-bas, là, on va lui faire quoi? Alors, il faut laisser ça, mon frère. Il faut laisser. Si les frères de Pogba et ces gars sont dehors, combien de fois? Et pas Pogba lui m'a subi les chantages. Pogba lui m'a subi les chantages, non? On a fait quoi à ces gars-là? C'est chez nous que la loi est due pour rien. La loi est due pour rien chez nous au Cameroun. Alors que la loi ne devrait pas être due. Tout est compliqué en Afrique. Alors, les simples motifs, tu comprends, donc 5 ans. Les simples choses, on met le gars en garde à vue. Normalement, on l'envoie en prison, même pourquoi d'abord? On l'envoie en prison, pourquoi? Alors, menez les enquêtes. On t'attrape, on te trouve avec une vidéo où tu es en train de passer à l'acte avec un enfant. Bon, on va dire que c'est le montage, personne n'était là pour connaître. Voilà. Et puis, demain matin, on dit que tu as subi le chantage des gens. Le chantage existe partout. Hein. Ah oui, non. Là-bas, n'est pas, on tue les gens chaque jour. Comprends que la peine de prison, 2 mois, crime passionnel, on te met même en liberté. On t'envoie même dans un centre de quoi là? Un psychologue va te suivre pour un temps, après on te laisse. Donc bientôt notre combat là, c'est ça avec les infirmiers voleurs. On va monter tout le schéma, comment ça se passe, comment ils commencent, comment. Parce que c'est trop. On commence à emmerder nos frères. Et on se rend compte que c'est la diaspora qui est victime. On doit commencer le combat là. Donc mettez-vous prêts bientôt là. Voilà. Non, mais c'est Kunga Kunga là, ou c'est quoi là, ou c'est quoi, ou c'est le pasteur. On a nos problèmes au Cameroun. Lui ne m'intéresse pas trop. Ce n'est pas un débat pour moi là-bas. Voilà. Le vrai débat pour moi au Cameroun, c'est la classe dirigeante. Parce que tant que ceux-là sont en haut, ils ont encore le pouvoir. Ils peuvent faire venir qui ils veulent.
quand ils veulent et comme ils veulent. C'est tout. Donc, le pasteur, le ceci, cela, moi, je n'en ai rien à foutre avec eux. Voilà. La tête est pourrie, le corps souffre, c'est tout. La tête est pourrie, le corps souffre. C'est ça le problème du Cameroun. On te dit que ton gouverneur toi-même était là. Ton gouverneur était là. Tu vas faire comment? Voilà. On dit que le gouverneur était là. Donc il est parti pour qu'on prie pour lui et le chef de l'État et sa famille. C'est sûr que vous avez vu que c'est sûr qu'il a mentionné le nom de Paul Biya là-bas. Ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas rater. C'est sûr que le pasteur là a appelé le nom de Paul Biya. Ça ne peut pas manquer. Alors, vous êtes seulement encouragé pour tirer sur les autres. Votre propre frère qui est là, l'homme qui crée la misère au Cameroun, vous l'abandonnez. Vous ne parlez pas de lui. Vous avez peur de voir vos enfants grandir. Et tu viens pleurer quoi? Tu pleures quoi? N'importe quoi. Vous êtes forcément pour vous attaquer aux gens. Un peuple de pleureux comme ça là. C'est un peuple. Au Cameroun, peut parler. Pas faire la gueule, vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Faites pitié. Le gars a fait la talakou. Vous partez prier comme ça là. Mais son cachet vient de la présidence. C'est un schéma. Vous ne comprenez pas. C'est un schéma. Non, il n'a rien pris. Il n'a rien pris. Alors qu'il est sur invitation spéciale. Vous ne connaissez pas. On vient, on organise toute une foule. Vous venez assister. Vous assistez. Mais son cachet va venir de la présidence. Il va encore une fois à conjure que papa Paul Biya, que c'est le règne de Dieu, qu'il n'est pas là par hasard, qu'il est le sauveur du Cameroun. Ça ne peut pas manquer si le gouverneur là-bas, non, sans voir, sans connaître, sans imaginer les services de renseignement, les services secrets, tout ça, commissariat spécial, tous ces gens, ils sont là-bas. Ils écoutent ce qu'il dit. S'il veut déconner là, on coupe le micro. Mais oui, non, comment ça se passe, non? Oh, oh. Comment ça se passe? Tu me déconnes, on coupe le micro. Tu veux parler quoi comme ça là? Oh ouais. Est-ce qu'on te prie? Tu veux parler quoi là? Faut parler ce qui va avec Yaoundé. Tu vois bien, c'est 20 000 personnes devant toi, 50 000 personnes devant toi. Tu me déconnes. Tu veux blaguer, on coupe le micro. Voilà. Tu es là, pasteur aussi. Ouais, le traumatisme est tout de Mbengue. Mbengue est compliqué. Hein? Voilà un gars de la nuit qui est devenu pasteur en Europe. Voilà un monsieur qui était le directeur du Festi. Hein? Il était le directeur du Mystère. Il connaissait toute la nuit du Cameroun. Glory, glory. Toutes les boîtes de nuit, c'était sa maison. Maintenant, il a traversé le désert, la Méditerranée, ça l'a traumatisé, il est devenu pasteur. Pourquoi que c'est quand vous avez des problèmes comme ça, là, que subitement, vous devenez le pasteur? Pourquoi dans la vie normale au Cameroun, tu dois sortir de ta vie, de la nuit, là, devenir un vrai pasteur? Ça devait bien donner. Hein? Ça devait bien donner, gars. Tu peux pas dire ça? Non, laisse. Non. Tu devais être un vrai pasteur. Écoute-moi bien. Tu es au Cameroun. Tu laisses ton travail de la nuit pour servir les gens. Ils devaient croire en toi. Ah. C'est comme Serge, non? Serge, c'est un vrai pasteur. Hein? Serge, c'est un vrai. Ah bon? Je connais que tu es devenu pâtissier. C'est normal. C'est un ben non, gars. Voilà un directeur de snacks, de boîtes de nuit qui devient pâtissier. Comme ça, comme on veut. C'est mon petit gars à l'époque, pourquoi c'était facile? Quand on rentrait, il dit que tu nous laisses ça, dis donc grand. Je dis que je suis parti, non? J'ai pour 2 ans, je rentre, ma vie change. Ça me fait combien de temps que tu as gardé? Ça fait 10 ans. Hein? Glory, glory. J'étais ça fait 10 ans. Je dis qu'on allait jeter l'asile par-ci, par-là, on a jeté. Chope tes gâteaux, mon frère, à la pâtisserie. Ah oui, tu es cuisinier, c'est bien, chop, il m'a mangé. Oh, ben, bien, ça détourne la vie des gens quand même. Oh, Seigneur, oh, voilà un directeur de snack qui est devenu un cuisinier en même temps, pasteur.
le traumatisme. Tu marches, tu vois ta part en route. Il est là marié. Il s'est marié une fois dans la Méditerranée. Donc, les deux, ils étaient les deux suivants dans le zodiac. Donc, mari et femme. Ils ont dit que, dis donc, tous sont morts, donc on se met ensemble. Parce qu'on dit choc avec la gare. Parce qu'à devant, à confirmer. Toriou, tu confirmes, non? Voilà. Ah, qu'elle réalise, oh, mon frère, oh ouais. Tu ne... Le voyageur, c'est celui qui part et qui rentre. Hein. C'est là où tu as le statut de voyager. Voilà. Donc, quand tu pars là, tu ne rentres pas encore. Non. On considère que tu es mort. Même si tu envoies l'argent, on ne te considère pas encore. Même ton gars que tu as laissé là-bas, c'est un problème. Mais oui. Après 5 ans, 10 ans là. Non, laisse. Tu peux venir là, tu trouves 2 enfants. Hein. Ah oui, on te dit que voilà, comme tu étais parti là, vraiment, je ne peux pas faire autrement. C'est le vendeur de viande du quartier là qui nourrissait les enfants que tu as laissés là. Et tu dois que tu dois qu'accepter. Maintenant, là, mettre au petit soin avec les 2 autres enfants. Maintenant, tu es décidé de partir. C'est comme ça. Parce qu'elle a fait ça, c'est à cause de toi. Elle ne t'a pas envoyé quelque part. Voilà. C'est le prix à payer. D'aller te chercher. C'est la guerre. Tu es parti en guerre. Donc, elle ne savait pas que tu devais rentrer. Voilà. Donc, il ne faut pas venir déranger les gens. Voilà. Voilà. Le statut de voyageur, c'est quand tu pars, la première fois que tu rentres. Donc, tu deviens voyageur. Voilà. Donc, si tu pars, tu ne vas pas rentrer là. Non. Tu n'es pas encore un voyageur. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore rentrés là. Non, vous n'êtes pas encore voyageur. Parce qu'on va dessiner le prix. Donc, cette année, il y aura les Banga Diaspora Award. On va donner les prix à certains voyageurs. C'est comme ça. Voilà. 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 C'est ça, non? Yeah.